paradise. Tell me who you see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause I know I can't get to you. I like the chase, and I know you do too. Am I just in love with the idea of you? 'Cause I'd cross a million seas, would you do that for me? Hey, bien salut tout le monde, c'est Miku, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc dans cette vidéo je vais vous expliquer l'effet de ma disparition sur YouTube depuis 4 mois, donc ça fait 4 mois que j'ai pas sorti une putain de vidéo. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. Ok, bah déjà pour ceux qui ont pu me suivre sur Instagram, donc vous avez su que je me suis blessé 2 fois à la même putain d'épaule. Ce qui explique pourquoi j'ai perdu pas mal de bras à ce niveau là, ils sont un peu tout flasconnés, mais c'est pas grave. Donc je vais vous expliquer, donc première blessure, donc c'était en raccompagnant mon ex à la gare. Donc puis c'est mon ex, donc maintenant j'ai plus de temps pour moi, donc tant mieux, c'est tout bénéf pour YouTube. Donc je raccompagnais mon ex à la gare, puis quand j'ai été chercher un train pour me ramener chez moi, tout simplement j'arrive sur le quai un petit peu à la bourre, puis je vois le train qui est là, je me dis à l'aise, les portes sont ouvertes, c'est tranquille. Et puis je vois que les portes se ferment, du coup moi j'ai pas réfléchi, je voulais pas rater mon train et en prendre un une heure plus tard. Donc ce que j'ai fait, c'est que je me suis jeté dedans. Et évidemment quand je me suis jeté dedans, je me suis pas jeté comme ça, je me suis jeté comme ça. Donc cette épaule là est restée coincée dans la porte. Et puis les portes de train sont pas faites pour se retenir comme les portes d'ascenseur à se réouvrir. En fait les portes de train, même s'il y a un obstacle, elles forcent, elles s'en battent les couilles, elles te niquent ta race. Donc moi ça m'a déchiré complètement l'épaule, heureusement il y a un type qui est venu, mais mon premier réflexe comme un con ça a été de tirer comme un malade sur mon épaule pour essayer de la retirer, mais c'était vraiment pas le truc à faire. Donc j'ai souffert là pendant quelques semaines. Après ça, donc j'ai pas su m'entraîner pendant quelques semaines, voire un mois je crois, parce que franchement c'était trop douloureux, genre même tenir une barre à vide comme ça avec l'épaule tendue c'était trop douloureux, faire le dos dès que je tirais vers l'arrière c'était trop douloureux aussi. Ensuite, bah là, j'ai eu une deuxième blessure à la même épaule il n'y a pas longtemps. Donc évidemment, ça date d'une semaine, un peu plus d'une semaine. Mais bon, ça va, ça s'est remis beaucoup plus vite que ce que je croyais. Et pourtant, je croyais que ça allait vraiment être pire. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on faisait du rugby en cours de sport à l'école. Quand tout à coup, un type de 100 kg s'est mis à courir vers moi et il m'a forcé dans l'épaule. Donc c'était pas forcément volontaire, donc je lui en ai pas voulu. Parce que je voyais bien que le rugby, c'est un sport de contact. Donc moi, j'étais prêt à avoir des contacts, donc... c'est pas de sa faute, ça peut arriver. Mais le problème c'est que quand il m'a foncé dedans, j'ai entendu tout craquer. Et puis donc je crevais de mal, je pouvais plus bouger mon bras à ce moment là Donc vu que j'ai de la chance qu'il y a un hôpital juste à côté de mon école, donc j'ai été à l'hôpital. Mais bon, ils ont rien su me dire à part que on sait pas ce que t'as, mais la telle jusqu'au moment où t'as plus mal. Donc bon, on fait avec, on n'a pas le choix. J'ai décidé de pas aller voir des spécialistes parce qu'au fur et à mesure ça se calmait. J'ai écouté mon coach sur ce qu'il m'a dit de faire. Ça se calmait, hier j'ai pu entraîner mon dos sans problème, sans avoir trop de douleur, ou alors juste un petit point mais qui a pas duré longtemps, qui a duré peut-être 5-10 minutes. Donc voilà, et puis dernière raison, ça a été la qualité de mes vidéos. Donc en fait, j'ai pas voulu continuer de faire des vidéos tout simplement parce que avec mon téléphone, vu que ma ancienne caméra a été cassée, c'était vraiment pas top. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu d'avoir des sous. Et puis j'ai mis dans une caméra. Donc là j'ai un Nikon D5300, donc j'espère que la qualité sera vachement mieux. J'ai aussi un micro Rode dessus pour que le son soit au top également, donc j'espère que pour ça, ça ira. Je vais acheter sûrement encore un peu d'équipement pour faire des bonnes vidéos en salle, genre des stabilisateurs ou quelque chose comme ça. Donc on va pouvoir réattaquer tout doucement les vidéos, reprendre les vlogs. Je vais évidemment faire des compétitions, même si j'ai pas mal perdu de poids à cause de toutes ces blessures et puis la baisse de motivation que j'ai eue avec les blessures. Mais bon, maintenant je suis reparti, je suis OP, on va... bien refaire ça, on va enchaîner les compétitions cette année, je crois qu'on va en faire quelques-unes quand même, histoire d'essayer de se démarquer un minimum des autres. Pour ce qui est des compétitions, je vais vous laisser un peu dans le doute, je vais pas vous dire lesquelles je vais faire, je vais juste vous dire que cette année je fais pas la FBBN. Je vous expliquerai pas pourquoi, j'ai pas non plus forcément de raison, j'ai juste envie de me différencier un petit peu. Cette année je vais faire des compétitions un peu plus élevées, donc en espérant pouvoir me démarquer des autres malgré mes blessures que j'ai cette année, et puis en espérant que j'en ai pas une autre, parce qu'avec la chance que j'ai cette année, je fais blessure sur blessure, maladie sur maladie, là franchement ça fait...
Je suis resté des fois 2 semaines chez moi à cause d'une grippe, avec mon épaule en plus, alors je vous explique pas, franchement cette année c'est pas l'année la plus chanceuse que j'ai eue. Mais bon, je m'en fous, je vais, maintenant que je suis remotivé, que je suis prêt à tout pour réussir ces compétitions-là, on va tout donner, je vais tout vous filmer, je vais vous filmer que ce soit mes entraînements ou quoi, puis si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas à me demander, genre plein de vidéos que je ne fais pas et que vous auriez peut-être envie de voir sur ma chaîne, moi ça m'intéresserait beaucoup de me différencier encore plus. Et puis voilà, donc juste pour vous dire que je n'étais pas mort, je fais une petite vidéo annonce comme ça. Donc les gars, nouveau petit truc aussi pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, avant de vous le dire, allez me suivre sur Instagram, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Donc si vous commandez sur Prozis avec mon code et que vous m'envoyez la facture, que ce soit par mail, par message privé ou quoi, et que je vois bien que c'est avec mon code, en fait vous gagnez un training gratuit. Donc voilà, c'est bénef, c'est cadeau, c'est pour vous. Petite annonce est finie, j'espère que ça vous fera plaisir de me voir, de revoir ma sale gueule. Bon là je suis crevé, ça fait quelques jours que je dors pas trop, mais bon c'est pas grave. C'est Fortnite, c'est pas de ma faute. Non, je rigole. On va bien se reposer, on va bien aller s'entraîner, on va tout niquer à la salle. Les gars, prenez soin de vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait plaisir. Et puis j'espère que les vidéos vont vous plaire et puis que la qualité sera bonne et que tout le monde sera au rendez-vous. Donc voilà, n'hésitez pas à partager pour me faire revenir. Donc moi je vous dis à la prochaine, c'était Miko, allez, peace.